Mes amis scorpions, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce début mai, première quinzaine du mois. Donc du 1er au 15 mai, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous comme message. De manière générale, donc ce tirage peut aborder absolument toute thématique de vie. On va voir justement ce que vous devez savoir pour ce début mai sur votre situation personnelle. Néanmoins, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Bien évidemment, vous n'avez pas tous et toutes la même vie, quand bien même vous seriez du signe du scorpion. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous personnellement, surtout n'hésitez pas, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée pour une guidance privée. Donc ce tirage s'adresse aux scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire du zodiaque pour la période du 1er au 15 mai 2022. On y va, c'est parti, let's go. Allez scorpions, mois de mai, première quinzaine, du 1er au 15 mai 2022 pour les scorpions en signe solaire. Ascendant lunaire du zodiaque scorpion du 1er au 15 mai 2022. Scorpion en signe solaire. Ascendant lunaire du zodiaque, on y va, c'est parti. Ok, voilà ce qu'on a. Allez, on est sur l'énergie 1 pour commencer. Alors ici, il semblerait que dans les 3 mois à venir, donc mai, juin, juillet, d'ici l'été, donc vous seriez sur le point de franchir un nouveau cap. Nouveau cap de vie, il y a quelque chose qui se prépare pour vous en lien avec un départ. Ce départ peut être symbolique, d'accord? Un changement d'énergie, peut-être un changement au niveau du plan de conscience de l'individu, mais ça peut être aussi un départ physique à travers un voyage, un déménagement, un changement peut-être de lieu de vie, de lieu de travail. Il y a cette idée pour moi de partance, d'accord? De départ. Ici en plus, on a une indication comme quoi on quitte peut-être même une énergie du passé. Alors, il peut s'agir aussi autour de vous d'une personnalité un petit peu dominante. On nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme, d'une vieille femme. Alors, quand je dis vieille, ouais, ça me rappelle ma mère qui me disait toujours « on dit pas vieille, on dit personne âgée ». Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, bref. Donc, personne âgée autour de vous qui peut être un petit peu reliée à cette énergie, qui peut être en lien avec cette énergie. Ça peut être une mère, une grand-mère, soit une personne aussi, une personnalité peut-être dominante qui vous oriente dans vos choix. Ou peut-être est-il question d'un départ vis-à-vis d'une personne qui peut être peut-être plus âgée que vous, ou d'une personne qui a peut-être l'ascendant sur vous, qui décide pour vous, avec vous. Ça peut être par exemple si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a une forte personnalité, qui décide avec vous, qui prend les décisions plus que vous ne les prenez. Ça peut être ça. Après, moi, ce que ça m'évoque ici, c'est plus le passé. Parce que quoi? Parce que cette carte, ok, c'est la carte de la femme âgée. La femme âgée, ça veut dire quoi? Ça veut dire la femme d'un certain âge, ça veut dire que il y a du temps qui est passé, il y a du temps qui s'est écoulé. Donc pour moi, cette carte représente le passé. Cette carte représente ce qui est là depuis longtemps. Cette femme est là depuis longtemps, elle est âgée, d'accord? Donc pour moi, cette carte représente ce qui est là depuis longtemps. Donc ce qui est là potentiellement depuis un passé de vie. Donc pour moi, cette carte, ça représente symboliquement le passé. Et là, on voit quoi, amis scorpions? On voit que vous partez justement de ce passé, que vous changez d'énergie. C'est-à-dire que d'ici le mois de juillet, vous allez quitter une zone de confort dans laquelle vous évoluez depuis X temps, X années, pour vous orienter vers quelque chose de différent, d'accord? Quelque chose qui est en gestation. Pour moi, c'est sentimental, ce qu'on a ici, ce qui est décrit ici, parce que là, voilà, on a la carte en dos de deck de la sexualité.
On a la carte de la sexualité qui peut aussi nous représenter une relation charnelle légère avec quelqu'un. Cette relation semble s'intensifier ou changer de statut. On a la gestation par rapport à ce qui est déjà là. Donc pour moi, il pourrait y avoir des natifs du scorpion qui seraient en pleine évolution, en pleine phase de transformation par rapport à un lien, à une relation qu'ils ont débuté avec quelqu'un, que ça soit une relation déjà existante depuis longtemps ou pas. On parle d'un changement de statut, on parle de franchir peut-être une nouvelle étape par rapport à ça. Pour moi, donc, le passé reste derrière, d'accord? Ces 3 mois vont être liés au fait potentiellement d'ancrer un passé dans le passé et de ne plus évoluer dans les mêmes énergies. Il y a peut-être eu quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous en termes de sacrifice. Alors, il pourrait y avoir aussi un dénouement assez négatif, d'accord, dans cette énergie, c'est très ouvert. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui ça va parler en lien avec une évolution de vie, c'est-à-dire faire évoluer une relation légère en quelque chose de plus grand, de plus épanoui, de plus sérieux, de plus profond entre deux individus. Mais ça peut aussi nous dire que vous partez, que vous laissez le passé derrière vous, c'est-à-dire que peut-être certains, certaines ne veulent plus de ça. Certains, certaines ne veulent plus de relations légères et veulent s'orienter vers une vraie relation. Donc il pourrait éventuellement y avoir des ruptures, des ultimatums qui pourraient être lancés en mode « bon, moi, voilà, j'ai envie de sérieux, si tu ne me suis pas, ben, on va être obligé de rompre parce que moi, ça ne m'intéresse plus ce que tu me proposes ». Ça peut être ça aussi, d'accord? L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a quelque chose qui est en gestation, et ce qui est en gestation, c'est la volonté de laisser son passé derrière, de laisser toutes les énergies que l'on a vécues jusqu'à présent derrière soi pour évoluer vers un nouveau plan de conscience. On a envie d'autre chose, on n'est plus investi des mêmes énergies qu'avant, on a envie, on est appelé ailleurs. Et donc s'il faut laisser le passé derrière, on le laissera. En fait, pour moi, c'est en mode j'ai envie d'évoluer, qui m'aime me suive. Si tu ne me suis pas, bah tant pis, moi j'évolue quand même. En gros, c'est ça. Donc voilà, comme je vous le disais, avec cette énergie 1, le dénouement peut être tout aussi bien positif que négatif. Il pourrait y avoir des tremplins pour passer à une relation sérieuse avec quelqu'un, mais il pourrait aussi y avoir des séparations. On va voir ce qu'on a de l'autre côté. Ouais, pour moi, on se débarrasse de quelque chose, vous le voyez, afin de retrouver son équilibre. Il y a quelque chose que l'on porte, que vous portez sur vous, ami Scorpion, et qui vous paralyse, que vous ne pouvez plus vous permettre de traîner avec vous si vous voulez évoluer sereinement, si vous voulez retrouver une forme de bien-être, d'apaisement, de positivité. Il y a quelque chose dont vous sentez la lourdeur sur vos épaules chaque jour. Et vous savez, en fait, vous vous dites que vous devez vous en débarrasser. Ça peut être une personne, ça peut être le poids de ce qui vous est imposé, que vous ne voulez plus. Ça peut être quelque chose, oui, qu'on vous impose. Pour moi, vous lâchez quelque chose véritablement. Vous avez identifié que ce quelque chose n'est plus du tout nécessaire à votre épanouissement et que même au contraire, il provoque chez vous plus de mal que de bien. Donc je m'en débarrasse, je m'en délaisse. Ici, on a la transformation. On voit que dès que vous lâchez quelque chose ici, que vous ancrez quelque chose dans le passé, que ce soit une personne, une relation, un comportement, une énergie, un caractère, une façon de voir les choses, un regard sur une situation, dès lors que vous changez tout ça, on a l'abondance qui arrive. L'abondance qui arrive. Par rapport, pour moi, c'est toujours lié à du sentimental, à votre vie amoureuse affective. Alors, il peut s'agir d'une personne en particulier, si vous fréquentez quelqu'un. Pour celles et ceux qui fréquentent personne, c'est plus un regard différent. C'est-à-dire que je n'ai plus envie des mêmes choses. Je n'ai plus envie, potentiellement, d'avoir cette légèreté dans mes relations. Ou alors, le contraire. Ça peut être le contraire aussi. J'ai été engagée pendant longtemps avec quelqu'un. Je n'ai plus envie de ça. Je m'oriente plus vers de la légèreté. Je vous ai dit, ça peut aller dans un sens positif, comme dans un sens négatif. Ça peut aller dans un sens A comme dans un sens B. Soit je vais vers quelque chose de profond, je délaisse ce qui n'est pas profond, soit je vais vers quelque chose de non profond et je délaisse ce que j'ai connu d'engagé. D'accord? Ça va pas parler à tout le monde de la même manière. L'idée principale, c'est quoi? C'est qu'on a une gestation par rapport à ce vers quoi on veut s'orienter. Ce vers quoi on veut s'orienter, on délaisse quelque chose que l'on ne veut plus en amour. Ça, c'est lié au sentimental, j'insiste vraiment là-dessus. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment.
On voit qu'à partir de l'été, ici, vous retrouvez votre juste équilibre parce que vous vous orientez vers là où est votre énergie désormais, là où est votre juste chemin, votre juste place. Et s'il faut laisser des choses sur le chemin, vous les laisserez. La connaissance de soi en noyau central, le masque. Le masque sur soi, c'est-à-dire que ce masque tombe, on arrive à cerner ce qu'on veut vraiment. On arrive à savoir, à identifier là où est notre juste place, ce que je veux vraiment dans ma vie amoureuse, ce que je veux vraiment mettre en place. Est-ce que j'y parviens ou pas? Est-ce que j'y suis parvenu à mon but ou pas? Est-ce que c'est ça que je veux pour ma vie ou pas? Si oui, tant mieux, sinon j'oriente mes comportements, mes actions pour faire en sorte d'y parvenir. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis scorpions, pour ce début mai. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez un approfondissement avec moi à travers une guidance privée, n'oubliez pas, vous êtes les bienvenus, mon mail sous la vidéo. Allez, bye!